Samedi 8 juillet 2023, sur Instagram, Amandine Pélissard, enceinte de son 9e enfant, a partagé plusieurs photos de son ventre déjà bien arrondi. Photos qui lui ont valu les compliments des internautes, mais pas que. Une internaute a trouvé qu'elle avait l'air fatiguée et amincie. Amandine Pélissard lui a répondu sans détour. Une reconversion inattendue. Découverte en famille nombreuse, la vie en XXL, Amandine et Alexandre Pélissard, parents de 8 enfants, ont fini par quitter le programme de TF1. Dans la foulée, ils se sont lancés dans le X. Ils partagent désormais leurs ébats sur la plateforme payante Mime. Et ça leur rapporte, après quelques mois seulement, Amandine et Alexandre Pélissard ont accumulé 26 000 euros de revenus pour leurs photos et vidéos érotiques comme ils l'ont révélé à Jerem Star. Ils vont cependant devoir lever le pied. Après plusieurs fausses couches, Amandine Pélissard est tombée enceinte de son 9e enfant. On tourne un peu moins fréquemment qu'avant. On ne tourne pas tous les soirs car je suis crevée. J'ai plus tendance à dormir le soir que faire des galipettes, a confié la mère de famille dans une interview accordée à Télé Loisirs. À un moment donné, je vais stopper pour raison médicale, car je suis suivie en grossesse à risque. Dans mon cas, il y a un moment où les relations intimes sont contre-indiquées, donc quand ce sera trop risqué, on arrêtera. Amandine Pélissard fatiguée et amincie? Elle répond sur Instagram, samedi 8 juillet 2023, Amandine Pélissard a partagé plusieurs photos de son ventre déjà bien arrondi. De quoi lui valoir de nombreux compliments des internautes. Très belle Amandine, ton ventre te va si bien, bonne fin de grossesse, radieuse, ça fait plaisir à voir, vous êtes magnifique, tellement belle Amandine. Tu rayonnes, a-t-on notamment pu lire en commentaire. Mais une de ses abonnées a noté, tu as l'air fatigué et aminci. Ce n'est en rien une critique. Prends soin de toi. Amandine Pélissard s'est empressée de lui répondre, fatiguée un peu, normal lol, mais aminci non, je suis à plus 7 kg à 4 mois et demi. Merci pour votre bienveillance, a-t-elle écrit. C'est dit.